Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Nila. Coucou. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du 8 octobre. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Vous avez vu, c'est passé très vite. On arrive déjà au 8 octobre. On a encore un petit peu de beau temps. La météo est un peu capricieuse, donc profitez de ces rayons de soleil pour recharger en bonne humeur, en positivité et en vitamine D. Bah oui, c'est important la vitamine D. Alors on y va? On va commencer par notre oracle qu'on aime bien des mondes invisibles. Quel est le message pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo en ce vendredi 8 octobre 2021, s'il vous plaît? Nous avons les reliques de Lémurie, fragment. Excusez-moi, je suis un peu essoufflée. J'ai monté les escaliers là. Je reprends mon souffle. Alors, les reliques de Lémurie, fragment, mémoire, récupération. C'est super intéressant. Parce que là, ça parle de connaissances passées, de dons, de talents, de mémoire, on tente de récupérer des savoirs ancestraux, des dons. On tente de récupérer, en tout cas de faire travailler des dons, des talents que l'on a, qu'ils soient artistiques ou magiques. Hein, ou magiques. Donc peut-être que certaines d'entre vous sont en train de découvrir ou de redécouvrir leur intuition, leur talent de guérisseur, leur don de guérisseur. Leur talent d'énergéticien, peut-être que vous êtes en train de comprendre votre magnétisme, peut-être que vous exercez au tarot, aux oracles aussi, d'accord? Et donc là, on essaie de récupérer tous ces fragments-là de ce qu'on sait faire, hein, de ce qu'on peut faire en tant que... Voilà, dans l'irrationnel. Hein, j'entends dans l'irrationnel. Et pour d'autres, eh bien, on vous demande de vous souvenir de l'enfant que vous étiez, d'accord? De cette espèce de joie que vous aviez, de cette innocence, cette espèce de témérité. Là, il y a un lien aussi un peu avec l'enfant intérieur pour certaines d'entre vous. On vous demande d'aller récupérer ces mémoires, hein, de joie, d'amour, de paix que vous aviez au fond de vous quand vous étiez jeune, insouciant, plein d'énergie, plein de ressources. Hein. Là, on me parle de ressources, hein, de récupérer ces ressources, de récupérer ces énergies de joie, de paix, d'amour. Voilà, ça ne va pas parler à tout le monde, hein. C'est une carte assez spéciale en ce 8, hein. Le 8 qui est un jour de l'infini. Donc ne prenez qu'est-ce qui résonne avec vous, bien évidemment. Alors, je la mets là et on va aller voir avec la féminité sacrée. On va essayer d'en savoir un petit peu plus sur ce 8 octobre 2021. Quel est le message pour tous ceux qui verront cette vidéo, s'il vous plaît? Le chemin illuminé. Le chemin entrepris est le meilleur pour vous. Bon, bah voilà, c'est clair. C'est clair et net. Si vous faites partie de ces gens, de ces personnes qui se découvrent autrement, qui vont sur ce chemin de développement personnel et qui mettent en lumière les dons et les talents de guérisseurs, d'accompagnateurs, d'énergéticiens, de créateurs aussi, d'artistiques, hein. Ça peut être, vous pouvez être une personne très artistique, hein, passionnée par vos créations, hein. Vous pouvez être un peintre, un sculpteur, un cuisinier qui excelle, un danseur, une danseuse, un écrivain, je ne sais pas si on dit une écrivaine. Bon, maintenant on écrit une chef de cuisine avec deux FE, donc... donc voilà, vous êtes sur le bon chemin. C'est le bon chemin d'aller creuser dans vos mémoires, de récupérer vos dons, vos talents, de développer vos dons extrasensoriels, de développer votre intuition, de tirer des tarots, des oracles,
Vous faites ce pourquoi vous êtes arrivé ici en fait. Hein. Vous êtes cette lumière hein, qui va éclairer des personnes. Vous êtes cette personne qui est aussi éclairée par son chemin enfin. Hein. Donc là, on vous dit que c'est le bon chemin. Le chemin que vous entreprenez, ce que vous êtes en train de faire, les décisions que vous avez prises, les formations que vous êtes en train de prendre. Hein. Ça peut être des formations en Reiki, en chamanisme, des formations de tarologue, enfin... Voilà, toutes ces choses-là qui sont liées au développement personnel, ça peut être aussi des rendez-vous avec un thérapeute hein, spécialisé pour aller éclairer, illuminer toutes ces mémoires, toutes ces souffrances, toutes ces blessures qui sont enfouies en vous et que vous avez enfermées dans une boîte de Pandore. Ça peut être lié à des traumatismes et des chocs émotionnels, mais c'est le bon chemin, d'accord ? Si vous avez décidé... d'œuvrer pour le monde, d'œuvrer pour les gens, d'œuvrer pour votre bien-être, c'est le chemin, c'est le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin pour vous accomplir, pour accomplir votre mission de vie et pour certains, certaines, ça passe par des chocs émotionnels, par des ruptures, ça passe par une déconstruction pour une meilleure reconstruction. Eh bien, écoutez, tout est arrivé d'un coup, c'est assez clair. Ce soleil, c'est votre soleil, c'est votre joie, c'est votre bonheur et c'est le bon chemin. On va prendre une carte de la géométrie sacrée. Quel est le message pour tout le monde en ce 8 octobre 2021 s'il vous plaît. Nous avons reconnectez-vous. Bon bah voilà, je vous laisse intégrer en silence, en regardant bien la carte, cette géométrie, cette belle géométrie hein, triangulaire. N'hésitez pas à faire pause, donc reconnectez-vous à vos dons, à vos talents, à ce que vous êtes vraiment. C'est le chemin, d'accord ? Reconnectez-vous à votre essence divine, à vos désirs, à vos passions, à vos créations, reconnectez-vous à votre amour propre, reconnectez-vous à votre lumière, à votre soleil, hein, vous voyez, reconnectez-vous à votre soleil, c'est très joli, je sais, je le dis souvent, mais là, c'est très joli, ok, on va aller voir ce que nous dit le tarot, si vous voulez bien, où est mon tarot, ah bah il est là. On va aller voir ce que nous réserve le tarot. Quel est le message pour tout le monde, s'il vous plaît. En ce vendredi 8 octobre 2021, nous avons le soleil. Bon, bah voilà. Hein. Il y a des choses qui sont mises en lumière, là. Ça y est. Là, si vous étiez dans le déni, si vous étiez dans le brouillard, si vous étiez dans les indécisions, les confusions... Si vous étiez dans des angoisses et dans des peurs, là il y a quelque chose qui est mis en lumière. Et ce qui est mis en lumière, c'est ce que vous voulez être et ce que vous voulez faire vraiment dans votre vie. Là vous avez, mais c'est plein phare, hein, c'est deux soleils quand même. Hein, vous avez vu? Regardez-moi ça. Deux soleils, c'est une carte majeure. Hein. Donc là on a le soleil. La carte majeure du soleil, c'est bien évidemment. La carte c'est la carte d'être réalisé, d'accord ? Bien sûr, ça peut être aussi la joie, hein, mais c'est l'accomplissement. C'est briller, c'est se réjouir. Là, il y a de la clarté dans votre vie et dans des situations, d'accord ? Donc, vous faites enfin la lumière et il y a de la clarté dans votre accomplissement, dans le fait d'aimer son prochain. Il y a de la lumière, voilà, il y a de l'amour, il y a de la joie. Hein. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est fabuleux cette carte. Et le 8 de coupe. Bon bah voilà, on tourne le dos définitivement à quelque chose au passé. Hein. Bah oui, le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est les émotions. C'est aussi c'est une carte sentimentale, bien évidemment. Le 8 de coupe, vous voyez cette sorcière-là. Qui tourne le dos à ses coupes, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il en manque une, hein. Elle tourne le dos à quelque chose, elle tourne le dos à une situation, à une relation, elle va à la découverte d'elle-même, hein.
Là, vous êtes dans une auto-analyse pour moi. Vous vous cherchez, vous essayez de comprendre les choses. Il y a clairement une question de développement personnel pour moi. Vous êtes en, voilà, vous cherchez là. Vous vous cherchez pour certains, certaines d'entre vous. Et il y a des situations qui font que bah, vous vous posez cette question enfin de qui je suis, où je vais, pourquoi je suis là, pourquoi ces choses-là m'arrivent, pourquoi je refais toujours les mêmes erreurs, pourquoi je suis toujours dans ces mêmes schémas répétitifs, c'est pourquoi j'ai toujours ces mêmes partenaires-là. Eh bien là, ça s'éclaire. Vous décidez d'y voir plus clair, d'aller en introspection, d'aller dans ce voyage intérieur à la découverte de vous et de comprendre les choses sur vous-même en fait. Hein. Et c'est beau. Et c'est beau et vous pouvez être fiers de vous. C'est beau, c'est magnifique. Regardez la force incroyable, incroyable ce tirage. Vous avez la force avec vous. La force, le 7 de bâton. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 5 de bâton et on a le 7 de coupe. D'accord, et en résultat, je vais quand même rajouter une dernière carte. Il est intriguant ce tirage. Le 5 d'épée. Bon, alors, la force, hein, c'est encore une arcane majeure. La force, c'est le 8. C'est le chiffre 8. C'est le chiffre de l'expression libre, du fonctionnement parfait. Hein. Donc, vous voulez fonctionner parfaitement, vous voulez comprendre parfaitement, vous voulez arrêter de partir dans tous les sens, de réfléchir n'importe comment, de ne pas être cohérent ou rigoureux sur certaines choses. Voilà, là, avec la force, vous cherchez à concilier en fait, à réconcilier même hein, vos instincts, d'accord? Vous avez envie de dire ce que vous ressentez, vous avez envie de maîtriser en fait, hein. J'entends, vous avez envie de maîtriser ce que vous êtes. Ce qui vous arrive, vous voulez plus refaire les mêmes erreurs, vous voulez plus avoir les mêmes relations et vous avez la force avec vous. Vous avez cette force en vous pour y arriver. On me dit que vous avez cette force en vous pour y arriver. Le 7 de bâton, c'est une énergie de feu. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est une énergie de feu, c'est une énergie de bataille. Hein. Là, c'est vraiment... On vous demande d'être endurant là. Le développement personnel, mes amis, c'est quelque chose de long. C'est un chemin, vous savez. Il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Hein. Pourquoi? Parce que ça demande d'être endurant. C'est une course marathon. C'est une course de fond. Et il faut être endurant. Là, on vous dit de tenir bon malgré les combats, malgré les obstacles. Il faut vous accrocher, d'accord? Vous vous souvenez mon tirage d'hier ou d'avant-hier, on vous demandait de persévérer. Eh bien là, on vous demande de persévérer, d'accord? Parce que c'est long. Ou peut-être que justement, du fait que vous éclairez une situation ou une relation et que vous décidiez de quitter ça, eh bien, vous partez dans un combat contre vous-même ou contre les autres parce que vous décidez de radicalement changer quelque chose. De quitter une relation et ça va vous demander d'être fort, d'être courageux parce que peut-être que vous en souffrez de cette rupture familiale, amicale, professionnelle. Mais en tout cas, c'est vous qui prenez la décision de quitter quelque chose même si ça vous fait souffrir. Vous avez la force pour réussir et vous avez l'endurance. On vous demande d'être endurant, d'accord? Ensuite, on a le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est encore une carte des émotions. Le 7, c'est... Eh bien, c'est le chiffre d'aller jusqu'au bout, d'accord? Il faut aller jusqu'au bout. Hein. Le 7, c'est vraiment les fantasmes. Il y a de l'illusion, j'ai l'impression que vous faites un film de quelque chose. Et peut-être que vous vous dites, c'est trop beau pour être vrai. Mais c'est aussi une carte où on vous dit de faire attention aux charlatans, de faire attention aux vendeurs de rêves, hein. D'accord? Donc, attention à qui vous vous adressez pour votre développement personnel. Faites bien attention que cette personne ne soit pas une mauvaise personne. Hein, d'accord? Et ça, c'était le premier message. Et le deuxième message, c'est sortez de l'illusion, sortez de votre film. D'accord? Sortez de ce qui est en train de se jouer là.
Sortez de, revenez dans la réalité des choses. Arrêtez de projeter des sentiments, des émotions qui n'existent pas en fait, hein, dans la réalité. C'est un jeu de votre ego, ok? Le 5 de bâton, c'est encore une énergie de feu. On a du feu, de la coupe, hein, décidément. Ah, on a un 5 d'épée quand même. Le 5 de bâton, le 5, c'est le changement, c'est le conflit aussi, hein, le chiffre 5. C'est évidemment les difficultés. On parle de rivalité, bien sûr, et vous devez peut-être rencontrer des rivalités dans votre famille, hein, ou dans votre rôle, dans vos relations professionnelles. Mais là, il y a, voilà, vous voyez toutes ces sorcières qui discutent entre elles, elles sont pas d'accord, y a du désordre, voilà. Là, on vous dit, vous allez devoir vous défendre, vous allez devoir vous défendre, défendre votre point de vue, d'accord? Et le 5 d'épée, eh bien, c'est le mental, hein, c'est le mental, c'est l'air, c'est toujours le conflit, donc il y a des désaccords, hein, clairement. Vous allez gagner ce conflit, mais à quel prix? À quel prix? Donc on vous demande de défendre votre point de vue, de vous défendre lors de ces conflits, hein, dans vos relations, ou même lors de conflits avec vous-même, hein, mais attention au coût en fait. Qu'est-ce que ça va vous coûter, cette réussite? Qu'est-ce que ça va vous coûter, cette réussite, hein? C'est incroyable ce tirage, il est à la fois psychologique et spirituel, il est incroyable. Il est incroyable. On va aller voir avec l'Aliasqué. On va aller voir avec l'Aliasqué, j'espère que vous voyez tout. Oui, vous voyez tout. On va aller voir quel est le message pour tout le monde. Regardez, des communications, des échanges, hein. Ça peut être des emails, des textos pour... un retour à l'équilibre, hein. Il va y avoir des échanges. Moi, je pense que vous allez faire intervenir un thérapeute, hein. Là, vous avez envie de prendre le taureau par les cornes pour voir qu'est-ce qui se passe. Alors, on va aller voir quel est le message en ce 8 octobre 2021, s'il vous plaît. Quel est le message pour tout le monde? Il y a de l'évolution, il y a du mouvement. Oui, bien sûr, il y a du mouvement pour une renaissance, hein. Il y a du mouvement qui va vers une renaissance. Vous êtes en train de renaître. Pour retrouver un équilibre, le mouvement est nécessaire, on me dit, pour une renaissance, pour retrouver l'équilibre, hein. L'équilibre en vous-même. C'est lent, c'est latent, vous sentez des choses bouger, vous sentez qu'il y a du mouvement, hein. Vers une sagesse, il y a une renaissance pour gagner en maturité, pour gagner en sagesse, mais il y a aussi, on vous dit, de vous rapprocher de quelqu'un de mature, de professionnel dans ces thérapies de guérison et de blessures, hein, pour vous aider à grandir, hein, dans cette renaissance. Regardez, il y a une signature, il y a un engagement. Oui, il y a un engagement avec vous-même pour retrouver l'équilibre. Bien évidemment, il y a un engagement avec vous-même. Il y a peut-être aussi une signature de contrat, hein, dans une mission, un projet très mature, hein, qui va vous faire renaître. C'est le chemin. C'est le chemin, c'est la solution, c'est la clé de votre renaissance, de gagner en sagesse, de gagner en maturité, de vous faire suivre par un thérapeute pour comprendre ce qui vous est arrivé, pour comprendre ces schémas répétitifs, pour les guérir. Il y a du déplacement, mais oui, il y a du déplacement, il y a des projets qui vont vous engager sur du long terme et ça va être du solide, hein, j'entends. Ça va être du solide, hein. Ça va être du solide. Regardez les communications. Des communications, des échanges, une réconciliation qui apporte une réconciliation avec vous-même, hein, avec votre famille aussi peut-être, hein, avec votre partenaire. Mais en tout cas, ça comble vos désirs et vos plaisirs. Et ça, on adore. On adore, on adore, on adore. On va aller voir le sentimental. Je vais reculer encore un petit peu. Alors, quel est le message pour tous ceux qui verront cette vidéo, s'il vous plaît? En ce vendredi 8 octobre 2021, quel est le message pour tout le monde? Nous avons dans le sentimental, relationnel, une connexion. Il y a des connexions, là, il y a des discussions via les réseaux sociaux, j'entends. Via des sites peut-être aussi de rencontres. En tout cas, il y a des gens parmi vous qui sont actifs sur les réseaux pour trouver l'âme sœur, pour trouver le bon partenaire. Voilà. On vous dit attention.
Il y a certaines relations rencontrées dans ces réseaux sociaux qui peuvent vous attirer des conflits, qui peuvent vous attirer des disputes. Il y a comme un désaccord, hein. Il y a trop d'instabilité en fait. On vous dit que ces rencontres ou cette rencontre que vous avez faite via les réseaux sociaux n'est faite que voilà, ne faites que d'énergie basse. Hein. Elle va vous procurer des conflits, des disputes. Et on vous dit que c'est éphémère. C'est superficiel et c'est trop instable pour être solide. Hein. On vous dit que l'amour véritable arrive. L'amour sincère arrive. L'amour véritable arrive, sortez de vos dépendances affectives pour faire venir à vous l'amour véritable. Sortez de vos dépendances à certaines substances, à l'alcool peut-être aussi. Mais en tout cas, on vous dit que pour trouver l'amour véritable, sortez des dépendances affectives que vous avez pu avoir ou que vous avez actuellement. Ok? On va aller voir avec les portes de l'intuition. Cela l'était retourné. Quel est le message pour toutes les personnes qui verront cette vidéo, s'il vous plaît, en ce vendredi 8 octobre? Nous avons la renaissance. Bon, alors on a plusieurs fois la renaissance, hein. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Oui, c'est dur. Oui, les épreuves sont dures. Oui, les épreuves sont longues pour certains, certaines d'entre vous. Mais persévérez, soyez courageux, d'accord? Dieu ne nous, voilà, Dieu ne vous envoie, je disais encore à Michel, hein, que Dieu ne nous envoie que les épreuves qui sont à la hauteur de notre force, hein, et de notre courage et de l'amour qu'on peut avoir à l'intérieur de nous. Donc, aimez-vous, vous méritez le meilleur, persévérez vers vos guérisons, vers la reconnaissance de qui vous êtes. La réparation, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Bien évidemment, plus vous allez libérer d'espace en guérissant vos blessures, vos karmas, vos attaches transgénérationnelles négatives, et plus vous allez créer de l'espace pour d'autres énergies. D'accord? La réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Vous avez la réponse, vous êtes la solution. Écoutez-vous, aimez-vous. La longue vue, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Mais c'est ça en fait. Vous êtes guidé. Vous savez que l'intuition est la voix de votre âme et qu'elle est juste. Écoutez votre intuition. Vous êtes guidé vers les bonnes personnes, vers les bonnes thérapies, vers les bonnes situations. Votre chemin est illuminé. Suivez les synchronicités et développez cette intuition. Écoutez cette intuition. Voilà les amis. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. Elle est un peu spéciale, elle est axée. C'est particulier, elle est axée spirituelle, mais à la fois, elle est dans la matière, dans l'action, hein, en fait. Hein. Elle est dans le réel. Hein. Voilà, c'est particulier. Mais en agissant sur l'irrationnel, en agissant dans les énergies subtiles, eh bien, vous impactez forcément votre vie matérielle, votre vie dans la matière. Hein. D'accord? Ça se voit à l'extérieur quand vous êtes bien à l'intérieur. Merci pour vos likes. Merci pour tous vos commentaires. Merci pour toutes ces discussions que l'on a ensemble. Je suis pleine de gratitude. Je sais, je vous le dis tous les jours, mais je vous le dirai tout le temps. Je vous le dirai tout le temps. Merci pour vos j'aime. Merci pour vos retours, hein, merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à partager cette vidéo à d'autres personnes autour de vous, ça peut les aider. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos de guidance astrologique. Allez voir les guidances astrologiques du mois de septembre, par exemple, ça peut vous donner un résumé de ce qui s'est passé en septembre et si ça résonne avec vous. Et puis allez voir mes guidances astrologiques du mois d'octobre. Allez voir la vidéo sur l'éveil aussi, ça peut vous aider puisque voilà, hein, il y a des choses, il y a des talents, il y a des dons qui s'affirment à vous là. Hein. Donc voilà, c'est des signes d'éveil que j'ai vécu, ça peut vous parler aussi. Et puis n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir toutes les notifications en activant la petite cloche sur YouTube.
Voilà, je vous remercie, je vous embrasse fort et je vous dis à demain pour la guidance du week-end. Bye bye, belle soirée!